Alors bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux déjà. Alors, il y a au mois de décembre, on est arrivé sur Bessan et enfin dans l'Hérault dans un premier temps et sur Bessan dans un deuxième temps. On a eu un petit peu peur au début parce qu'on connaissait pas la région, on connaissait pas la ville et on a eu l'agréable chance de très bien se faire intégrer au niveau du département et au niveau surtout de la ville. Et ça, je tenais à vous en remercier tous parce que vous avez tous contribué plus ou moins à faire qu'aujourd'hui on ait pu aussi créer ce commerce en très peu de temps. On s'est fait aider par pas mal de monde en termes de recrutement de locaux, de fournisseurs locaux. Voilà, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous fait chaud au cœur parce que en 6 mois, on a réalisé un rêve, venir vivre dans le sud, ouvrir un commerce, et on espère être à la hauteur de vos attentes. L'idée, c'était de faire une jardinerie animalerie de centre-ville. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout se fait de plus en plus sur les périphéries et toutes les personnes n'ont pas la possibilité d'aller dans les jardineries à droite et à gauche. Et on voulait redynamiser aussi Bessan parce que c'était une structure qui n'existait pas, en tout cas sur Bessan. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a du toilettage pour tout ce qui a des poils. Il y a des clients. Donc chien, chat et rongeur, tous les accessoires pour chien, chat, rongeur, oiseau. C'est aussi du végétal, donc les livraisons arriveront que demain malheureusement, donc ce sera plantes d'intérieur, d'extérieur et pépinière, maraîchage. C'est aussi du terroir, alors il n'y a qu'une petite sélection de ce qu'on veut faire parce qu'on a été vraiment pris par le temps. L'idée c'est de développer aussi ça et puis de garder cette identité forte au terroir. Et puis bien évidemment on travaille aussi avec le vin, la cave de Bessan, Mézé pour les bières. Voilà. Et si vous avez des propositions à nous faire sur les fournisseurs locaux ou des artisans, parce qu'à un moment donné, il y a un mandat donné, comme dirait. Je ne sais pas où il est. Il est caché. Voilà. on est tout oui. Voilà. J'espère que on saura être à la hauteur de vos attentes. Donc je vais m'arrêter là et je terminerai juste, on terminera juste en vous remerciant et puis que les festivités commencent. Donc servez-vous, il y a du rosé, du punch et puis.